Eh bien, continue, hein. Oups, j'ai lâché des pièges. Trouver le trésor, tous les monstres tués, aucun piège déclenché, tous les événements inspectés. Ok. Alors, eh ben, on explore un peu l'endroit. J'irai à la petite fontaine, hein, si c'est un truc qui nous régène de la vie, autant faire un combat au préalable. Mais si c'est pas ça, bah je l'aurai dans le bob. Gagner un niveau à l'issue de ce combat, c'est peut-être pas mal. Tac. Boum, boum. Parfait. Non, pas à ce combat, mais sans doute à l'autre. Allez, une petite berceuse. Ça aurait été utile, hein, mine de rien. Ça fait passer les deux tours au premier squelette là. Ah, puis lui il est poison, ça c'est bon. Ah, une petite trompe, ça va être pas mal. Boum, boum, boum. Perfect. Et Lyon monte au niveau 3. Tadadam. Quoi? Et Lyon évolue? Bilou, bilou. Non, c'est pas ça. Et talent. Donc ça c'est quoi? Augmente la stat critique, augmente les dégâts de tir précis. Est-ce qu'on peut débloquer du coup? Augmente les dégâts de lame empoisonnée. Oui. Est-ce que je... Non, il faut que je fasse... Ok. On va faire ça. Comme ça me débloquera ensuite. Ah bah je peux le faire là. Ouais, parfait. Si ça augmente le taux pour les trucs empoisonnés, ça m'intéresse. Ok, alors on va aller voir le truc en bas là. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça me rajeune un petit peu de vie, c'est parfait. Oh, un bon petit butin. Cuillère souple, ouais, ça pourrait être utile pour le crafting. Merde. Hop. Pourquoi je pouvais pas utiliser Lyon pour le piège? Bon, c'est pas grave. Et ben là, je peux. Ah oui, d'accord, c'est soit Lyon, soit Pod, je suppose. Ok. Jusque-là, tout va bien. Et merde. Ah, je peux rien faire, de toute façon. À l'attaque! Normalement, j'ai plus de chances de l'empoisonner. À moins qu'il soit immunisé contre le poison ou je ne sais quoi. Ça serait trop facile sinon. Tiens, bouffe! Ah merde, y a Pod qui est empoisonné, c'est pas cool. Et lui qui est brûlé, super! Voilà, bien. Et merde! Pas bien. Élimine-le, lui. Allez, potion, parce que j'aimerais pas le perdre, n'empêche. Et picole, boum. Il y a Elian qui est pas loin d'y passer. Je vais lui donner une potion aussi juste après lui parce que. Ah, Thorgrim niveau 3, ça c'est bien. Alors. Thorgrim. Augmente les chances d'infliger prise armure. Ouais. Augmente les dégâts de trombe. Ouais, ça, ouais.
Augmente la stat armure. Et ça, c'est quoi? Capacité passive, constitution. Je comprends pas du tout ce que c'est ça. Ah oui, non! Une capacité. Ah si, ça... ah, si je prends. Ok. Ça peut être bien. Immuniser. Ivre. Ah, c'est-à-dire que lorsque je lui fous des. De l'alcool là pour soigner les effets négatifs, il est pas bourré. Ça peut être utile. Et lui, oh, il lui reste plus qu'un point de vie. Hein. Voilà, quand je donne ça à Thorgrim, il sera pas bourré, donc c'est bien. Et du coup, bah, est-ce que Thorgrim, il a un truc là? Non. Bah, par contre, lui, il a deux malus. Voilà, encore Elian, il en a qu'un. Je peux le tolérer, mais là. Non, non, non. Oh, ça va être encore chaud ce combat là. Du coup, il a plus assez pour un. Faut vraiment des potions de. Ouais, pour faire revivre mes monstres. Mes héros plutôt, parce que. Là, c'est vrai que. Ça me serait bien utile. Hein. Ok, hop, on élimine. Ok, ça va se faire. Quoi? Comment ça se fait que je pensais qu'il avait été. Merde! Ah, zut! Pas cool, man, pas cool! Ah, c'est le bassin d'armure, pas cool! Ah, ils font mal, les enfoirés! Bouf! Alors. Un petit peu l'état de nos héros. Lui, il va prendre une potion de mana. Hop, lui, s'il peut en faire une petite berceuse à l'occasion, ça serait bien utile. Et bah, j'ai plus de potion de vie dans tous les cas. Oh! Merde. Si je déclenche le piège. Ouais, non, 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 faut que ce soit lui qui se le prenne. Hein. Pas trop le choix. Méfiez-vous du brouillard. Rien ne se ressemble. Plus que deux silhouettes d'apparence hostile dans une brume épaisse. Ok. Wouah! Ils sont 6! Ouh là 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 là. Je donne pas cher de nos vies là. Purée, la difficulté se corse. Hein. Alors, attends, il y avait le brouillard là qui disait je sais plus quoi là. Pas trop fait gaffe et merde bah voilà bon bah voilà c'est réglé hein. Ouah non mais je suis pas assez fort là pour ce donjon et merde bon bah c'était un game over hein. Votre équipe a été vaincue merde. Vous avez échoué mais personne n'en saura rien si vous retrouvez si vous vous vengez suffisamment vite c'est-à-dire. Bon. Je suis pas assez fort, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce donjon-là. Je sais pas combien de temps de jeu où j'en suis là. Je vais faire ce donjon-là, ça me permettra de gagner de l'XP peut-être. Bah, quelques butins, enfin quelques matos. Et je reviendrai à l'autre donjon plus tard parce que damn, qu'est-ce qu'il est fort. Enfin, qu'est-ce qu'il est costaud. Ensuite, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Ouais, on va faire ce donjon-là, puis je vais voir après si je continue de pas jouer. J'avais dit que je le ferais pas, mais bon, en vue des circonstances. Ouh! Lui, je l'ai one-shot. Voilà, au moins ce donjon-là, il est plus facile et plus abordable. Ah ouais, mine de rien, il faut pas sous-estimer la difficulté de ce petit jeu. En apparence est très sympa mais qui peut être assez compliqué. Oh bah attendez je peux pas tuer voilà boum voilà ça fait plaisir de voir des one shot comme ça là bon, sauf bien sûr s'il les régène derrière mais bam j'ai dit t'es mort. Allez, boum!
Pas de niveau 3. Bonne nouvelle. Alors, fais voir ce que t'as en magasin, l'ami. Augmente la stat mana. Augmente la stat endurance. Augmente les dégâts de Odd. Hein? Odd mutismatique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on va faire ça. Hein. Voilà, on va augmenter la mana. Bon. Alors, à dire, Pod, c'est pas celui. Ah bah, boum, allez, trésor. Non, pas maintenant. Pod, c'est pas forcément celui qui a besoin de plus de mana, je dirais. Mais bon, ça pourrait être utile à l'avenir. Ça me fait mal, lui. Je te dis, t'es mort. Ben. Enfin, l'idée dans ce donjon, c'est de pas... de pas utiliser une seule fiole de magie ou de vie ou quoi que ce soit, quitte à en gagner. Bien sûr, gagner de l'XP. Allez, fuck it. J'ai pas envie de faire les autres pièges et combats là. Voilà. Et on va faire le dernier niveau. Pour terminer le manoir de l'ossuaire. Oula, bah ça commence fort. Hein. Un combat inévitable dès le début. Et ça n'a endormi personne, c'est pas grave. Tac. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Bénédiction furie, cool. Reste cool, man. Hop. Merde, poison. Ah, pas cool. Pas cool, man. Allez, sabote-moi ça. Ah, c'est chier ça. Là que j'ai du poison. Pour 3 tours. Bon, j'ai furie, donc peut-être que les tours. Enfin. Peut-être que je ferai des coups critiques, etc. qui me feront gagner plus vite, mais quand même. Surtout pas qu'Eli en meurt là par exemple. Il va falloir que je le régène. Hein. Mince. Voilà. Ouais, 4. Ah, j'ai même pas de potion de magie de vie. Bon, déjà, lui, voilà, je peux peut-être. J'ai même pas de billard, je peux quoi. Ok, je peux juste rien faire en fait. Ah, si j'ai ça, plus mes effets négatifs. On va le faire à lui, parce qu'il reste que 4 PV, donc si je peux quand même le garder, ne serait-ce pendant un combat supplémentaire. Voilà. Allez, berceuse, peut-être que... Si ça marche... Ouais, du coup, peut-être que je peux les avoir en un tour. Allez, ça va se faire. Ça, c'est pas mal. Boum, allez. Plus que bien même. Ah non! Ah, puis je peux pas l'utiliser là-dessus, mince. Bon.
On y croit, on y croit, on y croit. Ok, lui il est poison, c'est bien. Ouais, trombe. Allez. Tac. Et normalement il crève. Parfait. Ah bah, je gère. Ok, par ici, y a rien. Je regarde un petit peu mon équipe. Ce que je vais faire, je vais utiliser ça là. Voilà. Parce que, du coup, j'aurai le trésor en vue. Non, même pas. Même pas. Voilà, je me tombe sur des ennemis sur le chemin. Super. Et dommage en plus. Forcément les plus faciles. Et merde. Oh, faut vite que je trouve le coffre là. J'espère que c'est pas un malus. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce que je peux réutiliser ça? Oui. Ok. Parfait. Piller et sortir. Putain, ça devient tendu, n'empêche. Hein. Voilà, bah, parfait. Et on a fini ce donjon-là, parfait. Du coup, je vais acheter plein de trucs. J'espère que la sorcière... Ouais. Ouais, vite fait. Hein. Ça c'est quoi ça? Anneau d'agilité. Pas de fragilité. Non, j'ai suffisamment de fric. On va aller voir dans l'atelier et je vais m'arrêter là. Je pense que j'aurais pu faire deux épisodes, deux petits épisodes, c'est pas mal. Plus des potions bah, que j'aurais crafté, mais j'ai pas ce qu'il faut. Anneau magique. Ouais, allez. Est-ce que je peux crafter autre chose? C'est quoi ça? Petit cordon. Et qu'est-ce que je peux en foutre? Je peux faire une armure. C'est vrai que ça me diminue ma vitesse, mais... même à bouclier. Voilà, allez, boum. Ah, puis ça me débloque d'autres trucs. C'est parce que du coup, j'ai un niveau. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors... Il suffit. On va équiper un peu nos personnages. Alors, bouclier. Voilà. Mais c'est pourquoi il a un livre à la place. Attendez, attendez, il l'a mis où là? Merde, je l'ai perdu. Le con. Bon, bah, je vais lui mettre l'armure et puis basta. Hein. Là. Ah, il est là son livre. Toujours garder ses dettes près de soi. Ça sert à rien. Alors lui. Bâton des morts. Je peux lui retirer peut-être la dague. Plus 1, plus 1. Et la dague, ça fait plus 2 de magie. Ouais, allez. Ça c'est plus utile. Ça, petit cordon. Alors, est-ce que ça se met au pied? Non. Ça sert à quoi? C'est un anneau non plus. Ça se met à la ceinture peut-être. Oui. Oui. Et du coup c'est quoi ça? Endurance. Ah c'est pas utile vu qu'il a la berceuse qui m'intéresse moi des fois. Anneau magique. Ça, ça peut aller. Parfait. Anneau d'agilité. Alors lui je vais pas pouvoir l'équiper parce qu'il a déjà un anneau. Ah ça c'est quoi? C'est les coups critiques. Ouais. Allez, on va la mettre lui, comme ça il sera peut-être un peu plus rapide. À 12, voilà, bon. Toujours ça de prix, hein. Est-ce que j'ai autre chose?
Amulette des morts. Non, on a dit que c'était pas utile. Gris-gris. Ah bah voilà, peut-être que le gris-gris, je peux... Alors, ça fait quoi exactement? On va lui mettre, on va voir ce que ça donne. Non, je peux pas le mettre. Est-ce que ça se met à la ceinture? Non plus. Amulette des morts, amulette des morts. Sceptre en os. Ah si, c'est marqué en dessous, arme. Alors du coup, ça c'est quoi? Main gauche. Ah ok, ça se mettrait à la place du bouclier. Oh, ok, j'ai figé. Une allumette des morts. ouais, mais sauf qu'il a 22 points de vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sel. Non. Non plus. Arme. Ça c'est pas mal, ouais. Est-ce que je mets ça? Ça fait chier quand même de perdre un point de vie. Hein. Non, écoutez, on va pas faire plus. Ok. Allez, bon, je recèle la dernière fois le donjon. Le dernier donjon. Sachant que. Ah, je me souviens plus trop comment ça se faisait. Enfin, je me souviens plus trop des salles, quoi. Allez, on réessaye. Ok, ça commence bien. Ça fait quoi ça? Moins de... Ouais, pendant deux tours, c'est pas énorme. Ça va. Allez. On réessaye, hein. Peut-être que ça va marcher, on sait jamais. Avec un petit peu de chance, on tombera sur le trésor plus rapidement. Sait-on jamais. Ah, il m'a brûlé lui. Foiré. Protection magique. Ok, bien. Bon petit butin, intéressant. Ouais, puis si je vois si sur un combat où c'est trop compliqué, enfin, je commence toute ma team est en train de perdre, donc bah, je quitterai le donjon, hein, c'est pas grave. Ok. Allez. On va faire, je vais utiliser la capacité de Thorgrim après pour voir où est le trésor. Un petit trombe là. Ah ouais, pas mal ça. Boum boum boum. Tac. Saboter, c'est bon. Zut, j'étais trop curieux. Non, j'ai dit que je ferais la capacité de Thorgrim. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai pas mal de malus là, c'est pas cool. Et lui là, c'est le plus dangereux. Il me fait des dégâts quand je le touche au corps à corps, j'ai l'impression en fait. Hein. Ouais, c'est pas impossible ça. Il y a peut-être ça qui rentre en jeu. Hein. Du coup, bah, hop! Ouais. Ah bah non, même pas. Ah, c'est comme tout à l'heure en fait. Ah, la merde! J'aime pas ça. Je vous le dis tout de suite, j'aime pas ça. Thank you.
Ah, il me fait à chaque fois, même tout à l'heure avec Elion, il m'a eu, je sais pas comment exactement. Allez, je vais peut-être m'en sortir. Ouh loulou. Ouh là là. Ok. Ok, ça pue. Alors, ce qu'on va faire, on va prier. Non, je déconne. Ah, ça m'est pas très utile, ça, on va dire. Peut-être que je peux le refaire, du coup. Ok. Ok, ok, ok. Alors là, il va falloir être chanceux. Déjà, on va lui donner ça et ça. On va jouer nos chances. Allez, on va jouer nos chances. Pourquoi il a encore que 6 points de vie? C'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai dû lui donner 2 potions? Ok, je me souviens. Ah oui, c'était là. Le brouillard. Et merde. Est-ce que je suis obligé de passer par la case? Ah là là. J'ai bien l'impression, hein. Ah, je suis pas obligé de passer par cette case-là, et c'est là où il y a tous les gros tremons de tout à l'heure. Bon. Bon, bah tant pis, hein. Ah ouais, chaud, bah faudra que je m'en souvienne ma prochaine partie. Hein. Alors voilà, c'est bon, là, je suis crevé. Faut quand même essayer, mais ouais, c'est mort. Bon, bah ça aurait été un double fail. C'est pas glorieux tout ça, quand même, hein. J'aurais presque envie de continuer et tout, de me dire allez, allez, allez. Mais bon. Je vais pas faire plus, je vais m'arrêter là pour cet épisode-là, pour cette session de jeu. Bon, je vais y arriver, hein. D'ailleurs, je peux déjà, d'ores et déjà, aller m'acheter de nouvelles potions. Tac. Ah oui, il y a des paris, c'est vrai. Alors, on essaie. Potion d'oubli. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, elle est où? Eh, mais... Bah... Quoi, j'ai plus de place dans mon inventaire? Oh là là. Oh la bête. Mais j'avais... Mais j'ai acheté une potion d'oubli. Bon, alors, attendez. Ah non, elle est là. J'ai eu peur. Vous oubliez tout, ou presque. Vous oublierez tout, mais à quoi ça sert? Bon, un os, youpi, un os pour 30 pièces d'or. Allez, on gamble, potion d'oubli, c'est pourri, mais je le prends quand même. Petite potion de mana, allez, 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 hop. Grigade, ok, j'ai dépensé tout mon fric pour de la merde. De toute façon, je peux la refaire les autres donjons si j'ai vraiment besoin de fric ou d'autres. Bref. C'était un peu l'hécatombe, là, à vrai dire. Ouais, donc, comme je disais, fin de session... Enfin, j'en ferai pas sans doute, j'en ferai sans doute pas d'autres en vidéo. Sauf rarement, vous me demandez, mais je pense pas. Autrement, je vous dis merci d'avoir regardé cette, cette vidéo, puis ce let's play, du coup. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !